main de Dieu n'est pas courte pour changer ta situation. Alléluia. Il y a des situations que Dieu ne peut pas changer. N'est-ce pas? Amen. C'est faux. Dieu peut changer toutes les situations. Je vous ai piégé. Amen. Il n'y a aucune situation qui puisse exister que Dieu ne puisse changer. Amen. Mais sauf, il y a des conditions, il y a des éléments qui doivent rentrer en vigueur de sorte qu'il puisse être en harmonie avec toi pour t'accompagner dans ce changement. C'est un processus. Amen. Et nous allons prendre un exemple aujourd'hui d'une situation qui semblait ne pas être changée et que Dieu, par la suite, va changer. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. La main de l'Éternel n'est pas courte pour changer ta situation. Elle n'est pas courte. Elle n'a jamais été courte. Avant le temps, n'est-ce pas? Dieu savait tout ce qui t'arrive aujourd'hui. Dieu le savait déjà. Maintenant, pourquoi la situation n'est pas changée? Il y a des conditions. Tu n'es pas encore rentré dans. Tu n'as pas les clés. Mais aujourd'hui, je vais te donner quelques clés. Quand tu vas avoir ces clés-là, tu vas voir que n'importe quelle situation qui va se présenter à toi, tu sauras comment il faut chercher la face de ton Dieu. Alléluia. Nous allons prendre l'exemple d'un personnage, n'est-ce pas? On va aller dans 1 Chronique 4, versets 9 à 10. 1 Chronique 4, oui. Je lis la parole de Dieu en 1 Chronique 4 à partir du verset 9. Oui. Jabez était plus considéreux que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Verset 10, Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, « Si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. » Alléluia. Amen. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle maintenant. Conduis-moi, je m'efface, mais toi seul es le souverain ici. Saint-Esprit, viens fermer, viens disposer le cœur de tes enfants. Par le sang de Jésus, je ferme toutes les portes qui sont ouvertes maintenant. Et que Christ, celui qui n'a pas été invité, qui s'est introduit ici au milieu de nous, il est lié et il est chassé hors de ce lieu. Au nom de Jésus, amen. Regardez l'histoire de cet enfant. Amen. Jabez, innocent. Dieu le met dans le sein de sa mère, mais elle, sa mère, dit, avant d'avoir cet enfant, elle a tellement souffert. Certainement, sa stérilité a certainement duré. Elle a tellement souffert, et dès que l'enfant naît, elle dit, tu t'appelles Jabez, qui signifie douleur et souffrance. Alléluia. Pauvre innocent. Il vit, il grandit. Il est en âge de se marier, en âge de travailler, en âge d'avoir du succès. Rien de bon n'arrive à Jabez. Alléluia. Et à un moment donné, Jabez dans sa marche va commencer à s'interroger. Il dit, non, je ne comprends pas. Tous mes amis avec qui j'ai fait l'école, ils ont réussi, ils ont eu leur examen. Beaucoup de travail. Et moi, je réussis même des fois à avoir un petit diplôme, mais le minimum pour travailler, je ne peux pas le réussir. Alléluia. Beaucoup sont mariés. Moi, je n'arrive pas à me marier. On me prend aujourd'hui, on me laisse. J'ai un petit travail aujourd'hui, je perds le travail. Au final, Jabez a commencé à s'interroger. Il a commencé à se poser les questions. Voyez-vous, des fois, sans le savoir, nous pensons qu'en 10 ans, je l'ai conçu dans la douleur. C'est une façon à nous de témoigner. Et nous donnons des noms à nos enfants. Et ces noms-là aujourd'hui, sans le savoir, influencent la destinée de l'enfant. Douleur. Il ne vit que douleur. Il ne vit que souffrance. Quand il rencontre quelqu'un, au moment où il croit que la relation va avancer, souffrance. Alléluia. Alléluia.
Et au fur du temps qu'il a commencé à avoir des douleurs, des souffrances, il a dit non. Il y a quelque chose d'anormal dans ma vie. Alors, Jabez a commencé à se poser des questions. Alléluia. Dans notre vie, quand nous voyons que des situations commencent à ne pas fonctionner, là où tu devais être, quand tu sais que tu n'es pas à cet endroit, il y a quelque part une interrogation à te faire. Il y a quelque part une prise de conscience à avoir. Tant que tu n'as pas une prise de conscience, tu ne peux pas savoir la dimension de la situation qui pèse sur toi. Alléluia. Avoir plusieurs échecs, avoir plusieurs échecs dans ta vie, avoir plusieurs divorces ou du moins plusieurs barrières, alors que tu as tous les éléments, tu as toutes les capacités. Des fois même, tu vois la chose, tu sais qu'elle t'appartient, tu sais que tu peux la posséder, mais elle t'échappe des mains. Il y a forcément une situation anormale. Alléluia. Certainement, Jabez, il a regardé. Il a tourné. Parce que des fois, on nous donne des noms. On ne sait même pas comment ça signifie, ce que ça signifie. On n'en connaît pas le sens. On dit, on t'appelle ceci, Jabez. Et Jabez est là, il était heureux. Jabez, puis cool. Jabez vient, cool. Jabez, il est heureux. Au football, oh, Jabez a marqué. Alléluia. Mais quand il revient à la maison, il revient avec une blessure. Alléluia. Il dit, mais attends. La même situation s'est répétée une fois, deux fois, trois fois, la quatrième fois, mon frère, il faut commencer à t'interroger. La même situation, là, à la même période, la même situation se répète. Comment ça fait? Alléluia. Une situation qui est reproductive dans ta vie, qui est récurrente dans ta vie, la même période, à la même période, il y a toujours la mort. À la même période, ça dit que ton père était mort, par exemple, du diabète. Et toi, tu nais, au moment où tu atteins un niveau, un certain âge, tu as aussi le diabète. Alléluia. Les mêmes manifestations se reproduisent. Ce n'est pas normal. Donc, à un moment donné, on a fait une pause. Et dans la pause, dit, mais papa est mort d'une telle maladie. Aussi, je suis mort de telle maladie. Son frère est mort d'une telle maladie. Il y a quelqu'un dans la famille, au moins, vers qui tu peux partir pour te demander, mais qui suis-je? Quelqu'un au moins se souviendra de qui tu es exactement. Comment, quelle est la signification de ton nom? Parce que ce n'est pas à tout le monde qu'on donne la signification du nom. Alléluia. Gloire à Jésus. Et si tu ne prends pas conscience de savoir réellement quel est ce nom que tu portes, en fait, tu vivras aussi longtemps et toutes les personnes que tu vas rencontrer le verront comme responsable de ta situation. En réalité, tu vas ignorer ce qui se passe en toi. Alléluia. Mais tu vas toujours regarder l'autre comme la seule personne responsable. Toi, tu ne te verras jamais en responsable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez Jabez. Son nom s'appelle douleur. Quelque part, il a grandi. Il était un petit enfant. Il est passé d'une étape à un petit enfant pour devenir un homme. Et il voit que les choses ne se réalisent pas. Il n'arrive pas à se réaliser. Et Jabez prend la décision. Il dit, ce n'est pas normal. Alléluia. Et ce qui est important dans cette histoire, quand il prend la décision, il ne va pas aller vers n'importe qui. Quand il va prendre la décision, il va prendre la décision et aller vers celui qui a la résolution de son problème. Des fois, nous
Nous prenons effectivement les décisions, mais nous allons vers les mauvaises personnes. Donc, au lieu de trouver la solution au problème qu'on a, on va encore empirer la situation. La situation devient encore catastrophique. Alléluia. Il y a un choix à faire. Et quand se pose à nous le choix de choisir là où il faut aller exactement, quand on ne prend pas le bon chemin, alors on revient toujours au même résultat. Alléluia. Alléluia. Quel est le choix que tu as fait? Une situation se passe tous les jours, chaque instant, chaque année. Depuis que tu es là, la même situation se reproduit. Tu as été avec une femme aujourd'hui. Le lendemain, la femme veut que tu partes. Tu as eu un travail aujourd'hui. À peine 6 mois dans le travail, le patron ne veut même pas te regarder. Alléluia. Tu es en France depuis plus de combien d'années? Tous ceux que tu as trouvés ici, ou du moins ceux qui t'ont trouvé ici, ont tous une situation. Toi, tu n'en as pas encore. Alléluia. C'est toi qui organises les mariages des autres. On te prend comme best man, femme de compagnie, fille de compagnie. Et toi-même, depuis des années, c'est toi qui choisis en plus le pain qu'ils vont porter. Il y a un problème, mon fils. Alléluia. Frère, nous devons tous prendre conscience. On doit prendre conscience que quelque chose ne va pas. Comme Jabez, il y a forcément des personnes ici qui sont influencées par une maladie, certainement. N'est-ce pas? La même maladie, on la traite. Elle n'a pas de résolution. Tu es allé dans tous les hôpitaux. Tu n'as pas eu de solution. On dit un prophète ici, pour où tu es parti? Pas de solution. Pas de prophète en prophète. Pas de solution. La maladie est toujours là. Jabez. Jabez est installé. Il est là. Alléluia. Dis-moi, bien-aimé. Pour moi, face à une telle endémie, à une telle situation de blocage, il y a besoin d'avoir une orientation. Et regardez Jabez. Il choisit de suivre Dieu. Il choisit de ne pas aller vers un autre Dieu. Il choisit de suivre Dieu. Mais parce que Jabez, en tant que juif, il avait des témoignages de ce que Dieu a fait avec le peuple d'Israël. Il savait aussi que Dieu ne laissait jamais ses enfants. Il ne pouvait jamais abandonner ses enfants. Il savait qu'il y avait une révélation cachée en celui qui sert Dieu. Il savait que le cri d'un enfant de Dieu qui monte vers Dieu, Dieu, tellement rempli de compassion et d'amour, allait forcément un jour agir. Il avait tous ces témoignages. C'est pour cela que Jabez n'a pas pris la décision d'aller servir Astarté. Et il a pris la décision de venir servir le Dieu d'Israël. Mais regardez, disons 2 Chroniques 7. 2 Chroniques 7, verset 14. Oui. Je lis la parole de Dieu. Uh-huh. Si mon peuple, celui qui t'est invoqué mon nom, oui, s'humilie. Ah! Donc vous voyez que Jabez va chercher à faire un élément très important. C'est un processus indispensable pour quelqu'un qui aspire à un changement. Il faut
que le nom de Dieu soit invoqué sur ta vie. Amen. Frère, dis-moi, quel intérêt Dieu a à te bénir? Quel intérêt Dieu a à te sortir d'une situation si toi, ton nom, ou du moins son nom n'est pas invoqué sur toi? Si tu ne lui appartiens pas, lui, il a quel intérêt en toi pour te bénir? Jabez savait que aussi longtemps sa douleur a duré, son nom, le nom de Dieu n'était pas sur sa vie. Il savait. C'est pour cela qu'il souffrait. Donc, pour que la situation puisse avoir une solution, il faut absolument qu'il rentre dans la peau de Dieu. Si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, ceux qui est invoqué mon nom. Donc vous comprenez que le nom de l'Éternel a une importance dans le spirituel. Frère, tout à l'heure je disais, les mois qui vont arriver, les mois de octobre jusqu'à mars, avril, c'est des mois fatidiques dans le royaume. Si quelqu'un n'a pas le nom de l'Éternel sur sa vie, c'est une personne qui est potentiellement en danger. C'est pour cela, un enfant de Dieu ne peut pas marcher comme il veut. Ce n'est pas possible. Quand tu as le nom de Dieu qui est invoqué sur ta vie, tu es la prunelle de l'Éternel. Étant la prunelle de l'Éternel, tu n'as pas le droit d'avoir une vie à gauche, à droite, comme tu veux. Non, ce n'est plus toi qui te dirige, mais c'est le nom qui est invoqué sur toi qui te permet d'avancer. Jabez a compris ça. Il a dit, je comprends d'où vient mon erreur. Si moi, Jabez, je n'appartiens pas à ce Dieu-là, ma situation ne changera jamais. Frère, venir à l'église n'est pas une mode. Venir à l'église, c'est un choix. Et ce choix, c'est une alliance que tu tisses entre toi et ton Dieu. Et quand tu as une alliance entre toi et ton Dieu, cette alliance parle à ta faveur. Frère, quelle est ton alliance avec Dieu? Certainement, tu as connu des tumultes où tu cries à Dieu. Parce que ce n'est pas toutes les voix que Dieu entend. Parce que la Bible me dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Mais pour que tu sois malheureux, et la Bible dit aussi que la prière du juste a une grande efficacité. En quoi toi, Dieu, est obligé de te répondre? Quand toi-même, tu as pris ta vie et tu l'as fait ce que toi-même tu veux. En quoi Dieu soit obligé de te reprendre quand tu es malheureux ou quand tu, entre guillemets, tu cries. Frère, la seule raison qui va t'amener ou qui va amener Dieu à écouter, à entendre ta voix, parce qu'il y a plusieurs voix qui montent à l'Éternel, mais parmi ces voix, il reconnaît la voix de ses vrais adorateurs. Alléluia! Le véritable adorateur de l'Éternel. Même s'il y a plusieurs voix qui crient, Dieu entend. Quelle est la mère? Même quand dans une maison ou dans un lieu fermé, elle est de l'autre côté de la maison, les enfants sont rassemblés et les enfants pleurent. Quelle est la mère qui ne va pas entendre ou reconnaître la voix de son enfant? Alléluia! C'est comme ça ce grand Dieu-là, il intervient, c'est comme ça qu'il agit dans notre vie. Alléluia! Frère! C'est pour ça que la Bible me dit, la main de l'Éternel n'est pas courte. Elle n'est pas courte. Mais c'est nos choix. Si mon peuple, celui qui t'est invoqué mon nom, oui, s'humilie, oui, prie, et cherche ma face, et il se détourne de ses mauvaises voies. Un, s'humilie. Deux, prie. Trois, cherche ma quoi? Ma face. Frère, écoutez-moi. Personne ne peut voir Dieu. La Bible dit, celui qui voit la face de Dieu meurt. C'est pas ça? Personne ne peut voir sa face. Mais voir la face de Dieu, c'est voir les résolutions s'accomplir dans ta vie. C'est de partir d'un niveau à un niveau supérieur. Parce
lorsque Dieu a fait toutes choses bonnes, et même très bonnes, alléluia, donc vous allez voir que ce qui est sur ta vie, c'est une situation malheureuse que Dieu n'a pas prédestinée. Il n'a pas voulu qu'elle soit là. Elle est venue, elle est là, d'accord. Mais il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, donc comprends que quand l'église se réunit, et lève la voix à l'Éternel, ah, celui qui s'est levé contre un enfant de Dieu est en danger. Tu dois avoir une apparenté, c'est ça? Avec l'Éternel. Tu dois avoir, il doit reconnaître ta voix, tu dois reconnaître la voix de l'Éternel. Voir sa face, c'est voir que j'ai parlé à Dieu, il m'a répondu. Voir sa face, c'est que ce qui se passe autour de moi, qui m'empêche d'avancer. Quand j'ai parlé à Dieu, Dieu tout de suite, il est arrivé. Il a trouvé la solution. Il y a des gens, pourquoi les autres, quand ils prient, c'est immédiat. Pourquoi toi tu pries et puis ça tarde? Alléluia. Regardez Jabet. Regardez Jabet. Et ce qui est important, Jabet n'a pas conditionné Dieu. Jabet n'a pas conditionné Dieu. Hein? Alléluia. Il n'a pas conditionné Dieu. Il n'a pas dit, si tu me bénis, je vais te donner ceci. Si tu me bénis, je vais te donner ceci. Ça, c'est des prières égoïstes. Dieu dit, humilie-toi. Il dit, malgré ton infimité, même si tu es comme ça, je dis, cherche ma face. Mets-toi à genoux. C'est pas ça là. Il dit, il fait rien à ça. Parce qu'il est capable de redresser ça. Amen. Alléluia. Frère, notre Dieu est tellement riche en beauté. Je ne sais pas ce qu'il ne peut pas réaliser. Il est le Dieu de l'impossible. Alléluia. Jabet, il pleure. Il se lève. Il va vers le Dieu d'Israël. Et il voit que s'il ne fait pas le deal, pour dire, papa, je suis avec toi à partir d'aujourd'hui. Je signe mon contrat. Contrat indéterminé. Là où je vais avec toi, là, je ne reviens plus en arrière. Regardez Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? La Bible dit, quand Jabet a prié, il dit, si tu me bénis, oui, et que tu étends mes limites, oui, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, mm-hmm, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Oui. Alléluia. Amen. Frère, par moment, nous savons que nous n'avons personne d'autre que nous-mêmes ou Dieu. Et nous sommes face à ces situations. Certainement des situations de maladie. Certainement des situations d'improductivité, de stérilité, du chômage qui se répète. Certainement, nous broyons le noir et nous ne savons pas comment aller. Nous ne savons pas comment sortir de cette situation. Alléluia. C'est pour ça que quand Jésus était face à ses disciples, quand les gens ont commencé à le quitter, il dit, mais vous ne partez pas aussi? Et Pierre répond, à qui irions-nous? Jean 6, 68. Il dit, à qui irions-nous? Toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Mon frère, le Dieu que nous servons, il a les paroles de la vie éternelle. Ta situation n'est pas dans les mains d'un homme. Non. Ta situation se trouve entre les mains de l'Éternel. Gloire à Jésus. Il faut que Jésus soit au contrôle ou bien dans ta prise au centre de ta décision. Je m'interroge et je me pose beaucoup de questions. Est-ce que Jésus est réellement au centre de ta vie? Les décisions que tu fais, les choix que tu fais, est-ce que Dieu est vraiment au centre de tes décisions?
Parce qu'on a comme l'impression que ce Dieu est obligé de nous bénir. Et quand on ne voit pas la bénédiction venir, on dit, oh, on est découragé, il n'existe pas. Mais est-ce que tu es sûr que toi, tu as une vraie relation entre toi et Dieu? Tu es sûr qu'il y a une intimité réelle entre toi et lui? Et qu'il soit obligé de te donner ce que tu veux? Alléluia. Beaucoup d'interrogations. Beaucoup de questions que beaucoup d'enfants de Dieu se posent. Mais parce qu'ils ne le connaissent pas. Vous ne le connaissez pas. Mais quand, si tu le connaissais, tu n'allais pas hésiter. Lisons. Proverbe 18, 10. Je vais vous montrer un peu quelques aspects de ce Dieu. Oui. Je lis la parole de Dieu en Proverbe 18 à partir du verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité, en sûreté. La fortune est pour le riche. Une ville forte, dans son imagination, c'est une haute muraille. Verset 12. Non, on va rester juste au verset 10. Reprends un peu. Au verset le 10. Nom de l'Éternel est une tour forte. Écoutez, écoutez. La Bible dit, le nom de l'Éternel est quoi? Est une tour forte. Est une tour forte. Le juste. Le juste. S'y réfugie. S'y réfugie. Et se trouve. Et se trouve. En sûreté. En sûreté. Est-ce que quelqu'un comprend cette parole? Le nom de l'Éternel est une tour. Pourquoi elle prend la forme d'une tour? Dieu ici, en bon français. En bon français. Ma fille, Dieu a pris. C'est une comparaison? En bon français, c'est ça? Ok. Dieu ici se compare à une tour. Est-ce que vous voyez un peu? Mais quand il prend la forme de la tour, ça dit que la tour, elle est grande. Donc la tour n'a pas de limite. N'est-ce pas? Dieu prend cette forme-là. Et dans la tour, il y a toute forme de bénédiction. Amen. Je suis en train de décrire Dieu. Il dit, le nom de l'Éternel. On reprend encore, on revient comme si c'était dans 2 Chroniques 7, 14. N'est-ce pas? La Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour. Donc vous comprenez que le fait que vous soyez chrétien et que le nom de Dieu soit sur vous, n'est-ce pas? Pour rentrer dans la tour. Mais quand il vous met dans la tour, qu'est-ce que vous possédez étant dans la tour? Vous possédez tout ce qui est comme délice, qui lui appartient, lui Dieu, n'est-ce pas? Donc en fait, une fois là-dedans, vous êtes sécurisé. Il n'y a personne qui peut se lever pour venir vous détruire. Ce dont on craint ou dont on a peur très souvent, il y a plusieurs éléments. Mais un des éléments, on a peur de la sorcellerie. C'est vrai ou c'est pas vrai? L'échec vient de la sorcellerie. Le célibat vient de la sorcellerie. Le manque vient, la pauvreté vient de la sorcellerie. On a peur de ça. Mais imagine-toi, tu prends la décision d'avoir une relation très intime avec ton Dieu. Amen. Et une fois que tu as cette intimité avec lui, tu es dans la tour. Quand les flèches voleront la nuit, ce n'est pas pour toi. Quand ces flèches-là voleront le jour, ce n'est pas pour toi. C'est pour cela qu'il dit, le nom de l'Éternel est une forte tour. Et en plus, on insiste sur le mot fort. Est-ce qu'il y a quelqu'un de plus fort que Dieu? Pourquoi avons-nous peur? Pourquoi vivons-nous comme en feu? Alors que le nom de l'Éternel est une tour forte. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Merci de m'avoir acclamé. Je veux qu'on acclame le roi des rois. Alléluia. Gloire à Jésus. Frère, pourquoi Jabez, pourquoi Dieu, n'est-ce pas, a exaucé la prière de Jabez. Pourquoi? Amen. Pourquoi Dieu? On revient encore sur 1 Chronique 4. On va voir. Pourquoi Dieu a
exaucé la prière de Jabet. Alléluia. Regardez, pourquoi souvent, quand nous prions, nous n'avons pas de réponse? Parce que nous prions dans le désordre. Regardez Jabet. Il savait ce qu'il voulait. Est-ce que quelqu'un ici sait ce qu'il veut? Je vais prendre une personne comme ça dans l'assemblée et je lui dis, mais pourquoi tu es venu à l'église? Il ne saura pas quoi me dire. Dieu a posé la question à Salomon. Il dit, maintenant que tu as fini de construire mon temple, est-ce qu'on peut m'accompagner? Maintenant que tu as fini de construire mon temple, qu'est-ce que tu veux? Salomon, il a dit quoi? Il dit sagesse. Mais c'est ce que ça veut dire. Avec Dieu, il faut lui dire réellement ce que tu veux. Alléluia. La vraie raison de ton besoin est là et tu tournes en rond. Et tu vas te demander autre chose. Non, Seigneur, bon, c'est-à-dire, je veux travailler. Est-ce que c'est le travail qu'il te faut? Pour travailler, il faut les papiers. Seigneur, il me faut les papiers. Si tu as donné les papiers, il va disposer le travail. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bon, dis-moi, tu veux te marier, tu n'as pas de maison, tu n'as pas de papier. Tu n'as pas de travail, tu veux te marier. Tu vas faire comment? Bon, disons la vérité. Ou bien, tu veux avoir un bel homme, c'est vrai, mais tu n'es pas brisé. Tu as encore ton caractère fort, tu portes la culotte à la maison. Le bel homme, quand il va venir, il va s'imposer. C'est lui qui est le chef de la maison. Ce qu'il va te demander de faire, tu ne vas pas obéir. D'abord, Seigneur, je veux me marier, mais dépouille-moi, brise mon caractère. Et tu dis pas, je veux un bel homme. Dieu t'enverra celui selon son cœur. Celui selon son cœur sera adapté à toi. C'est lui qui peut te supporter. Alléluia. Mais quand tu prends une feuille, puis tu dessines ton mari. Alléluia. L'erreur que Adam a fait dans le désert, dans le jardin, c'est ça. Il a imposé à Dieu ce qu'il voulait. Alors que Dieu savait ce qui était le besoin d'Adam. Il lui a donné des animaux de compagnie. Mais est-ce qu'Adam a voulu ça? Il dit, moi, je ne suis pas bête pour parler à bête. Moi, je parle, mais je ne réponds pas bête. On va se comprendre comment. Mais Dieu dit, c'est ça là qui est bon pour toi. Amen. Adam dit, non. Celle qui a chair de ma chair, celle qui a os de mes os. Vous m'envoyez ça. Et ça là, je vais. Il dit, d'accord. Comme ça ne vient pas de moi, Dieu, il faut te coucher. Il a endormi et puis il a pris sa corde. C'est pour ça que la femme, elle est tordue. Elle est comme ça. C'est ça, pour la corde. Amen. Quand une femme aime, elle aime jusqu'à la racine. Mais quand elle veut faire mal, elle fait mal jusqu'à la corde. C'est-à-dire, la façon dont la côte est tordue comme ça, là, elle prend sa pied et te fout ça dedans, bien comme il faut. Je passais par là. C'était un de mes enseignements sur Jéricho, mais j'ai mis de côté. Alléluia. Il y a des dieux. Est-ce que Dieu ne peut pas faire dans ta vie? De la stérile, elle est devenue mère d'une multitude d'enfants. De la stérile, mère d'abord d'enfants, et puis après, mère d'une multitude d'enfants. De la stérile. Mais si elle n'a pas pris d'engagement pour s'attacher à Dieu, elle ne vous connaîtra jamais. Elle ne pourrait jamais faire enfant. Mon frère, quelle est ta limite? Parce que Jabet a dit, si tu étends mes limites, c'est que dans sa vie, il y a des limites. Quelles sont tes limites? Amen. Frère, ce Dieu des limites, regardez, il dit, premièrement, quelles sont mes limites? Si tu étends mes limites. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il a dit? Suivez-moi, hein, les filles. Papa, il invoqua Dieu d'Israël. Il dit, si tu me bénis et que tu étends mes limites, n'est-ce pas? Deuxièmement, il dit, si ta main est avec moi,
Troisièmement, qu'est-ce qu'il a dit? Si tu me préserves du malheur. Donc, vous comprenez que dans nos prières, nous devions organiser les prières. Frère, Dieu veut te bénir. Mais il sait que tu n'es pas encore prêt pour une richesse. Tu demandes 1 milliard. Tu demandes 1 milliard, mais quand il va te donner 1 000 euros, il veut voir comment tu vas gérer les 1 000 euros. Alléluia. Nous comprenons ici que Dieu a besoin d'une discipline. Quand la prière est désordonnée, Dieu ne peut pas l'exaucer. Quand il demande, Jabez, à ce que Dieu étende, c'est parce qu'il veut devenir une source de bénédiction. Alléluia. Il dit, étends mes limites. Mais c'est tellement dans la richesse. Quand il va avoir beaucoup d'argent, il va aider sa famille. Il va aider les deux œuvrés. Alléluia. Mais toi, tu dis, Dieu, donne-moi l'argent. Donne-moi l'argent. Mais lui, il a dit, étends mes limites. Il dit, si ta main sur moi. Est-ce que vous comprenez un peu? En fait, ces prières-là, il s'inscrit dans la relation. Il fait en sorte d'être dans la relation, en intimité. C'est des prières d'intimité avec Dieu. Alors que nous, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on recherche, c'est le recevoir. Donne-moi. Seigneur, donne-moi. Dieu, quand il voit ça comme des prières égoïstes. Papa Blé, tu comprends maintenant? Arrête de demander. Tu dis, Seigneur, impacte ma vie afin que le Saint-Esprit domine en moi. Et que ta main soit toujours sur moi et que je me lève à des heures pour prier. Tu comprends un peu? Dieu voit que tu ne demandes rien pour ton intérêt. Mais tu demandes toutes choses pour son royaume. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Comment as-tu fait ta prière ce matin quand tu es venu? Alléluia. Quand un enfant de Dieu demande, est-ce que Dieu se sent obligé de pouvoir répondre à sa prière? Alléluia. Psaume 34, verset 7. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Psaume 34, au verset 7. Oui. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, oui, et il le sauve de toutes ses détresses. Amen. Amen. Vous voyez, dans ce passage, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses, n'est-ce pas? Amen. Il y a un élément fondamental. Cet élément, c'est qu'il y a un malheureux, l'Éternel doit écouter et ensuite il doit agir. Mais vous comprenez que pour que l'Éternel écoute et qu'il puisse agir, il a besoin aussi que tu sois avec lui et que tu sois intègre. Que tu sois fidèle, que tu sois loyal, que tu sois surtout obéissant. Alléluia. Mais quand il n'y a pas tous ces éléments, vous comprenez que l'Éternel peut ne pas entendre, ou même il peut entendre et il peut faire attendre ta prière. Parce qu'en toi, il ne se reconnaît pas. Il n'y a pas de fidélité, il n'y a pas d'obéissance. Alléluia. Regardez. Quand Jabez a prié, quand il a fait ses 3 prières, la Bible dit, Dieu l'a exaucé. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut prendre conscience de l'existence réelle de Dieu dans sa vie? Parce qu'il a besoin que Dieu touche sa vie. Il a besoin que Dieu impacte sa vie. Il a besoin que Dieu puisse changer les situations. La Bible dit, la prière de Jabez a changé l'approche de Jabez. Regardez, Dieu a agi immédiatement. Il n'a même pas posé des conditions. Il a agi immédiatement. Et il a mis des points de suspension. Si vous avez la même Bible que moi, il y a des points de suspension. N'est-ce pas? D'une fidélité avec Dieu. Nous avons besoin d'une réelle obéissance avec Dieu. Nous avons besoin de se retrouver en intimité avec lui. Parce que sa main n'est pas courte. Et ce matin, je veux dire à un enfant de Dieu, la main de l'Éternel n'est pas courte.
La main de l'Éternel n'est pas courte. La façon dont il a eu compassion de Jabet et qu'il a enlevé et qu'il a annulé sa malédiction, qu'il a annulé sa souffrance ce matin, il t'a donné ce rendez-vous divin afin qu'il annule ta souffrance. Je ne sais pas de quoi tu souffres. Je ne sais pas quelle est la situation que tu vis depuis des années, depuis des mois, et que Dieu ne puisse pas trouver une solution à ta vie. Moving in our midst, I worship you, I worship you.